L'armée de l'air est là aujourd'hui parce qu'elle fait partie des forces armées de la République et que c'est normal que dans un salon lié à la fabrique défense, en lien avec la défense pour la jeunesse, bah, tout simplement, l'armée de l'air a sa place comme les autres armées. C'est la première édition, tout à fait. Sur la volonté, effectivement, Madame la Ministre, de pouvoir l'ouvrir d'une façon un peu différente, de voir l'approche de l'armée, de la défense, d'une façon un peu différente. Vous avez aussi bien l'État que les entreprises privées, hein, les industriels, du milieu de l'aéronautique, du milieu de l'armée de terre, etc. Et donc, par rapport à ça, c'est cet enrichissement où, sur le même salon, les gens peuvent prendre des renseignements sur tout niveau. Le vecteur vitesse, là où vous le mettez, l'avion va. C'est ce qu'il faut retenir. Le grand travers, c'est l'horizon. Donc, si l'avion est sur l'horizon, on maintient l'altitude. Il est en dessous, on descend. Il est au-dessus, on monte. Avec les effets du soleil dans la cabine, les ombres portées. Donc nous présentons ici une cabine de notre laboratoire SHIELD. Donc c'est une cabine de simulation. Elle est représentative d'un système que nous sommes en train de définir en collaboration avec les unités au sein des forces pour le training collectif en simulation. Donc nous disposons aujourd'hui de simulateurs d'un très haut niveau de fidélité qui sont des outils très efficaces, très performants, un peu coûteux aussi, mais qui sont exactement ce dont on a besoin pour apprendre à utiliser le système, qui sont indispensables notamment pour les jeunes pilotes, les jeunes équipages pour acquérir les automatismes. Mais malheureusement, ces systèmes très fidèles, lorsqu'on veut les interconnecter entre eux, on rencontre d'énormes difficultés. Il y a beaucoup de difficultés techniques et on cherche à travailler toujours là-dessus. Et puis aussi, ce qu'il faut voir sur ce type de système, c'est qu'on ne peut pas les multiplier et en avoir beaucoup. Parce que justement, comme je disais à un moment donné, ils ont un certain coût. Avec ce type de dispositif, en revanche, on va plutôt chercher à avoir une simulation avec un niveau de fidélité plutôt ajusté, pas ultra conforme, mais qui, dès le départ, permet de mettre tout le monde ensemble dans un même champ de bataille virtuel et pour que tout le monde puisse s'entraîner collectivement ensemble. Donc une voie alternative pour le training collectif en simulation. Donc en venant sur notre stand, vous pourrez voir, vous pouvez essayer aussi, cette simulation qui est basée sur un jeu vidéo, jeu vidéo grand public, à la différence ici qu'on a des petites adaptations, des petits ajouts qui sont spécifiquement faits pour que nous on puisse l'utiliser de manière opérationnelle. C'est l'école de formation des sous-officiers d'armée de l'air. Et notre objectif, c'est de présenter que l'école se modernise, notamment dans la digitalisation de ses formations. Ce que l'on cherche à faire, c'est de rendre plus attractives nos formations et plus accessibles par le biais de la numérisation et de la digitalisation. Donc ce que vous voyez, c'est un panel de production que l'on est capable de faire au sein de l'école de formation. C'est une production qui est complètement interne, qui est faite par des spécialistes de l'armée de l'air. Et après, on a également le campus numérique que l'on a développé en interne et qui nous permet de mettre à disposition des élèves tous nos cours que l'on dispense, mais également de leur mettre à disposition la vie de l'école, comme par exemple l'éco-voiturage ou les manifestations qui se passent sur l'école. C'est pour élargir un peu leur vision de l'école. Mais notamment, et notre objectif premier, c'est quand même de leur mettre à disposition les cours et aussi de créer un certain nombre de quiz qui s'entraînent à la préparation des examens qu'ils auront à faire au cours de leur formation. Donc voilà ce que l'on présente ici. Après, vous avez l'école de formation de Saintes, et ici c'est Salon de Provence, à travers des simulateurs. La moyenne d'âge se situe autour de 20 ans. Aujourd'hui, on peut recruter de 17, 18 ans jusqu'à 30 ans. Mais la moyenne d'âge se situe autour de 21, 22 ans. Au niveau scolaire, c'est après le bac, c'est post-bac. Il nous arrive d'avoir des gens qui ont bac plus 2, mais ça reste à la marge. Et la majorité, c'est le bac. Tout bac. Bac technique, bac général ou bac pro. Dimension européenne,
puisque c'est dans le cadre européen que nous voulons de plus en plus développer cet esprit collectif et ce que l'on appelle cette culture stratégique commune. Le stand de la SPAD, c'est la section de protection et d'appui drone de la garde républicaine, et qui a pour vocation de sécuriser des sites, notamment les palais nationaux, sur l'éventuel sur la menace drone, donc sur des drones qui potentiellement pourraient venir sur le site, des drones malveillants. Donc on a tout un équipement de détection et de brouillage pour sécuriser les sites sur lesquels sont amenés à arriver des autorités comme l'Assemblée, l'Elysée, le Sénat, le ministère des Affaires étrangères, etc. On a eu, été 2018 sur le fort de Brégançon, donc sur la résidence du président, un drone qui a voulu s'approcher trop près du fort, qui a été brouillé par nos équipes, et du coup qu'on a pu repousser, et ensuite il y a eu des investigations qui ont été faites pour retrouver son télépilote. Ouais. Alors la formation, elle se fait au CNFSIC à Rosny. C'est une journée où voilà, on nous apprend à utiliser le matériel, la détection, le brouillage et le pistolet, le fusil. Voilà. Donc ça consiste à trouver auprès de chaque policier, de chaque gendarme, un outil numérique qui lui permet d'accéder au système d'information en étant sur le terrain. Le policier ou le gendarme n'a plus besoin de revenir à sa brigade ou à son commissariat. Il peut travailler en autonomie, en mobilité, et ça depuis n'importe quel endroit. Ça s'adresse vraiment aux policiers et aux gendarmes. Hein. Il va retrouver son environnement de travail, que ce soit aussi bien ses logiciels de rédaction, sa messagerie, la consultation des fichiers. Il va pouvoir retrouver tous ses gestes métiers, mais en mobilité. Il n'a plus besoin de revenir derrière un poste de travail. C'est vers quoi on s'oriente. Alors là, c'est une dotation individuelle ou matériel collectif sur un device qui a été sécurisé par une ROM développée en partenariat avec la gendarmerie. On est basé sur une ROM AOSP qu'on a sécurisée. Et là, actuellement, l'outil proposé est un Sony Xperia. C'est Sony qui a remporté le marché, enfin, plus exactement Orange Business Service. Et on utilise ce terminal-là. Très bien, allez, 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 encore une fois, vas-y, c'est parfait, il casse ton matériel, ok, viens ici, flexion de jambes, 5, allez, 1, 2, 3, 4, 5, sur les bras, une flexion, debout, sur les bras, debout. C'est le stand maritime qui regroupe à la fois un groupement d'industriels qui s'appelle le GICAN, donc c'est l'industrie d'armement naval. Il regroupe également un industriel qui s'appelle Naval Group et la Marine nationale.
Donc ces trois acteurs du maritime sont colocalisés sur ce stand. S'agissant de la Marine nationale, le stand regroupe les quatre forces de la Marine, c'est-à-dire les forces de surface, les forces sous-marines, la force de l'aéronautique navale avec le porte-avions et ses 200 aéronefs. Alors les 200 aéronefs de la Marine nationale qui comprend des chasseurs, des avions de patrouille maritime comme j'ai derrière moi, ou des hélicoptères, et enfin les commandos marines. Donc l'objectif du salon, pour nous, c'est d'accueillir les jeunes français qui viennent sur le stand et qui essaient de comprendre à quoi sert la marine et quel métier la marine peut offrir. Donc c'est pour ça qu'on est là. Alors la marine recrute chaque année 3500 jeunes français entre 17 et 30 ans et dont les niveaux scolaires vont de la 3e jusqu'au master. On recrute également des gens qui peuvent avoir un doctorat, ça peut arriver. En fait, à chaque recrutement, la marine offre un métier derrière, mais également une formation. Il n'y a pas de marin que l'on recrute et qui travaille sans avoir une formation de la marine, quel que soit le diplôme initial des gens qui viennent chez nous. Alors, ça dépend des niveaux. On a des contrats qui peuvent être des contrats à durée indéterminée, comme par exemple à l'école navale, c'est ce qui est proposé. Il y a des contrats de durée beaucoup plus courte, qui peuvent être de 4 ans pour les officiers, des contrats de 10 ans pour les officiers mariniers qui sont les sous-officiers de la Marine nationale. Également, on a des contrats de 4 ans, 2 ans, et parfois on a des contrats de 1 an pour de jeunes officiers qui veulent faire par exemple une année de césure. On offre la possibilité d'être dans la marine et d'avoir un travail de marin pendant une année et de se faire une expérience pour voir. Derrière, ça peut déboucher sur un contrat plus long, etc. Donc finalement, on a une palette de contrats qui est relativement large. La vitesse à gauche, t'es en train de t'accélérer très très fort. Ah oui, pour revenir d'abord et ensuite tu tires un peu sur la manche. Alors, il faut que j'incline un peu. Je te montre un petit peu et accompagne mon manche là. Bon, on va revenir sur l'horizon. Oui. Si tu veux faire demi-tour par exemple, là on est en vol horizontal. D'abord j'incline et plus je vais serrer le virage, plus ensuite, regarde, j'ai une cadence comme ça sur l'arrière. Présentons le système d'armes MMP, missile moyenne portée, en service dans l'armée de terre depuis maintenant 2 ans, déployé au Mali depuis 1 an. Ce système est composé d'un poste de tir, que vous voyez ici, donc qui permet d'observer le champ de bataille en voie jour et en voie nuit avec une caméra thermique. Sur ce poste de tir, on vient mettre en place une munition qui nous apporte 3 capacités, une capacité anti-char, une capacité anti-structure, une capacité anti-personnel. De 160 mètres à 4 km. Le missile en vol est connecté au poste de tir via une fibre optique. Cette fibre optique restitue au tireur dans sa lunette l'image vue par l'autodirecteur par la caméra du missile. Donc, ce qui permet au tireur, quand il est dans la boucle, eh bien, en fin de vol, d'avoir des détails suffisamment importants du missile et déterminer précisément le point d'impact sur l'objectif. Ce système d'armes fonctionne en mode fire and forget, tirer oubli, avec homme dans la boucle. Donc le tireur, une fois que le missile est en vol, peut quitter sa position et le missile va continuer tout seul vers son objectif. Voilà. Donc ce système nécessite une alimentation électrique sous forme de batterie. Cette batterie permet d'alimenter le poste de tir,
et la munition dispose, elle est autonome, elle dispose de sa propre source d'alimentation. Aujourd'hui, on est sur le salon La Fabrique Défense. Le but pour nous, c'était de montrer que, quand bien même on a des camions rouges et jaunes et une tenue bleue, on a un béret avec un insigne du génie, qu'on est militaire avant tout. Voilà. Donc nous, notre cadre d'intervention, c'est tout ce qui concerne les catastrophes naturelles, technologiques, humanitaires et sanitaires. Donc récemment, on est intervenu en Bolivie, en Amazonie, sur des feux de forêt d'ampleur. L'an dernier en Indonésie sur du traitement de l'eau, c'est à la suite d'un tremblement de terre et d'un tsunami. Puis je peux vous citer les missions comme celle-ci en Équateur, en Haïti, et notamment cette année on célèbre les 10 ans, tristement 10 ans, du tremblement de terre en Haïti. Alors dans notre unité on est 567 sapeurs-sauveteurs, mais dans les formations militaires de la sécurité civile en général on est 1401 sapeurs-sauveteurs. Tout sapeur-sauveteur doit passer en fait des qualifications, parce que comme je vous l'expliquais un peu plus tôt, on est spécialisé dans le feu de forêt, le tremblement de terre, etc. Donc on passe des qualifications en feu de forêt, en sauvetage d'éblément, en risque technologique, chimique, etc. Nous on recrute notamment des militaires du rang, donc simplement avoir le bac, avoir 18 ans, et puis avoir satisfait aux conditions d'exigence pour rentrer dans l'armée de terre. Après, on a également des cursus sous-officiers ou officiers. La moyenne d'âge chez nous est d'une 25aine d'années ou 25 ans. Ouais. Alors nous sommes un groupe de passionnés d'histoire vivante. Nous nous situons dans le nord de la France, sur la région parisienne. On se regroupe sur divers événements dans le but de commémorer certaines batailles historiques. Nous sommes à la porte de la Villette pour commémorer la jonction entre la 2e DB et la 1ère DFL. Donc la 2e DB qui est arrivée de la Normandie et la 1ère DFL qui est remontée depuis le débarquement de Provence, qui est remontée à la vallée du Rhône. Donc c'était un moment très important parce que vous voulez, l'armée française était divisée en deux groupes, en deux armées. Donc c'est une certaine symbolique, la réunification de l'armée française après la défaite de 1940. Donc ici c'est un événement particulier, en dehors de ça on se regroupe également pour commémorer des batailles qui ont aussi eu lieu durant la drôle de guerre, à la fin de la guerre, donc l'époque de la Libé. Par exemple en avril nous allons à Lochon. Nous avons une moyenne d'âge d'une vingtaine d'années, nous sommes assez jeunes, indépendants. Tout le matériel qui est présenté, qui est porté, est issu de collections personnelles. Et c'est un résultat d'énormes recherches à travers les archives militaires, les témoignages de différents vétérans et bien entendu les documents d'époque. Pour l'association Les Centurions de France, nous sommes une dizaine
Et là, nous sommes en collaboration avec l'association Koufra, qui est également constituée d'une dizaine de personnes et qui elle, est située sur Paris.